bonjour, bon après-midi, soyez les bienvenus pour suivre ce choc des quarts de finale de cette Coupe d'Angleterre. C'est bon, prenez l'équipe de Tottenham face à Manchester City. Alors que vous voyez les trois autres rencontres pour ces quarts de finale de cette Coupe d'Angleterre. Ça a un choc vraiment fabuleux entre Tottenham et l'équipe de Manchester City. Devant 63 800 spectateurs ici à Tottenham pour suivre cette rencontre. Alors que vous voyez la composition de l'équipe de Tottenham avec Ndombele et Lucas Moura qui ont été laissés sur le deuxième rotation. Gareth Bale est titulaire au titre de Dele Alli. On va revoir une position de 4-2-3-1. Ici le 4-4-1-1. On aura un match vraiment exceptionnel. Il y a 2000 supporters de Manchester City qui ont fait le déplacement à Londres pour suivre ce choc inédit. Parce que vous allez voir la composition de l'équipe de Manchester City. Fondel, la relève de Fouet électrique, tout une arme comme Tarantino. Fondi, tout le monde a été électrique pour le mois de rotation. Tout comme Bernard de Silva. En revanche, Ferrandez n'est pas dans la prise de match, mais Amoro est pour le mois de rotation. Ça sera un match vraiment extraordinaire et un choc inédit pour ces quarts de finale du Coupe d'Angleterre entre l'équipe de Tottenham et l'équipe de Manchester City. Alors dans quelques instants, le coup d'envoi sera donné par Harry Kane pour ce choc des quarts de finale entre Tottenham et Manchester City. C'est parti donc, il s'allonge pour le choc Tottenham-Manchester City. Wiggler qui décale pour Dele Alli. Holbert, Lo Celso, Alderby, Holbert, avec Harry Kane, interception peut-être de De Bruyne, ça sera toujours pour Tottenham, interception de Kevin De Bruyne, c'est bien pour Marais, il y a pas l'air de pas de Marais, quel début tourné par Alderby, c'était à 3 de Mévinus, déjà une occasion de grande pour l'équipe de City sur cette mauvaise de l'autre, ouais, c'est tout. Agarrez qui a failli intercepter. Ça sera une touche pour l'équipe de Manchester City. De Bruyne. Avec Joe Cancelo. Pour un petit fauteuil. De Bruyne et tout. Il n'y a pas d'argent pour De Bruyne. L'ouverture du score. L'ouverture du score pour Manchester City. Plus de finitude de De Bruyne. Dès la 6ème minute. Dès la 6ème De Bruyne, le capitaine des citizens. Bernard Vinicius. Devenu un bout de route à Tottenham. Que c'était de ce décalage de Gabriel Jesus pour Kevin De Bruyne. Qui n'était pas en position d'enjeu. Kevin De Bruyne qui a inscrit son 3ème but dans cette Coupe d'Angleterre et qui permet à Manchester City de mener 1-0 et salon. Robert Dele Alli avec Giovanni Lo Celso. Oh, la carte est de Pico 2 pour Alain Sterling. Le porteur de Alain Sterling qui a pris un coup malheureusement. Mais qui s'est relevé. Avec Sartorier. Pour Gregory, le fait de Gareth Bale. Il a pour l'égalisation. L'égalisation. L'égalisation de Gareth Bale. Qui s'est réveillé ce coup de pied. Et qui s'est réveillé sur l'équipe de revenir à un bout partout. Plus de l'extérieur. Du Real de Madrid, Gareth Bale. À part tout pour l'équipe de Club Bayern, tout est signé, Gareth Bale. Gareth Bale qui relance cette rencontre et qui permet à son équipe de Tottenham de revenir à tout partout. Tout est signé, Gareth Bale. Foden, Gabriel Jesus, il est avec Tiffoden, le cross
attaque de Tufoden. Décalage pour Khaled Stani qui évite attaque. Tafarier, le fait tout. Fernandinho, Tufoden. Oh, superbe geste de Tufoden. Et la frappe pour rouler de Tufoden qui frappe complètement le cadre. Et ça sera un long dégagement pour le capitaine du Coloris. Long dégagement du Coloris pour la tête de Ruben Dias. Tranquillement vers Gabriel Jesus avec Khaled Stani. Oh, c'est bien juste décalage pour un Phil Foden. Toujours un Phil Foden. Ça vaut pas pour la suite de Debrun, c'est laissé tourner. C'est Evric Laporte. Pour Fernandinho. Evric Laporte. Oh, superbe passe d'Evric Laporte pour Walker avec Gabriel Jesus. Debrun. Frappe de Debrun qui a été contrée. Holberg. Pour Dele Alli. Gareth Bale. Lo Celso. Cette transversale pour Gareth Bale. Bien contré par Phil Foden. Ruben Dias. Avec Fernandinho. Phil Foden. Pour Gabriel Jesus. Alain Sterling. Pour Gabriel Jesus. Gabriel Jesus. La frappe de Gabriel Jesus. Tout ça poussé par un joueur horizon qui met ce ballon en l'air. Pour les corps de la rencontre. Et tout ça pour frapper comme un frappe de Gabriel Jesus. Alors c'est vrai, elle n'était pas assez en force cette frappe de Gabriel Jesus. Mais en tout cas, ça donne un corner pour un sorti qui sera tiré par le Sterling. Du coup, le risque qui prend un peu fort pour dégager ce ballon. C'est Emeric Laporte pour Giovanni Lo Celso. La porte qui manque la relance, à cause avec le Giovanni Lo Celso. Bien de Zoncelo pour Tufoden. Gabriel Jesus. Sanchez pour Lo Celso. Pour Fernandinho. Gabriel Jesus, Tufoden. Lo Celso. Dele Alli. Avec Gareth Bale. Pour Joe Costello, il n'y a pas faute. Khaled Stani. Phil Foden. L'accélération de Khaled Stani. Khaled Stani toujours. Il se met sur son pied droit. Et les deux défauts. La barre traversée de Phil Foden. Sur cette superbe décision de Phil Foden. Mais malheureusement, il trouve la barre traversée. On serait prêt pour le plus de l'année. Cette superbe décision de Phil Foden. On a repris Kevin De Bruyne. Ouh là là, ça peut donner une contre-attaque pour Tottenham avec la récupération de Holberg. À côté avec Son. Il est passé, Son. L'accélération de Son qui décale pour Harry Kane. Bien contré par Ruben Dias. Eric Laporte. Foden. Gabriel Jesus. Pour Kevin De Bruyne. Ça pousse un tout petit peu trop par le ballon. Lo Celso. Ça traverse Lo Celso qui va finir en touche. On a la 33e minute et un partout entre Tottenham et Manchester City. De Bruyne a ouvert le score pour Manchester City et Gareth Bale a égalisé pour Tottenham. Gareth Bale. Gabriel Jesus, excusez-moi. Avec Khaled Sterling. Gabriel Jesus. Oh, c'est bien de Foden. La frappe de Foden qui est détournée par Foden qui va venir dans les bras du Coloris. Ruben Dias, Laporte, Ruben Dias, Sterling, Gabriel Jesus pour Phil Foden. La frappe de Phil Foden qui est mise sur son pied gauche et qui ne trouve pas le cadre.
Lot d'égagement pour Hugo Lloris. Oumelda, tranquillement vers Bocotello. Foden. Cabrel Rezou. Toujours Cabrel Rezou, pas contré. Hugo Lloris qui met ce ballon en touche. Il reste 6 minutes avant la mi-temps. Carvalho. Cabrel Rezou. Et la frappe de Panic qui a été détournée par Sanchez. Et Lloris qui renvoie le ballon en touche. La touche qui sera effectuée par Kai Walker. Marais. Carvalho. Foden. La frappe de Foden qui a été contrée, c'est pas fini peut-être. Tête de Carvalho. Mais ça va venir vers Son. Avec Harry Kane. Petite balle piquée pour Holberg. Sanchez. Dele Alli. Pour Son. Bien contré par Ruben Dias. De Bruyne. Qui a voulu décaler à Mahrez, mais malheureusement ça a été intercepté. Le Celta contre avec Harry Kane. Gareth Bale. Harry Kane. C'est pas fait pour Karimé. Et ça prend tout fort. Ça prend tout fort pour cette photo dans le jeu de Détecteur. Oh, carton rouge. Oh, carton rouge de Détecteur. Si le jour de soir sera tout fort de pouvoir la prochaine rencontre, il a des trois rouges de bataille. Il va couler la balle au repos. Le ballon de Détecteur qui sera tout fendu pour aller de vous connaître. Tout le monde qui se qualifie. C'est le deuxième carton rouge de Détecteur. C'est pour un très bon jeu pour l'équipe de Tottenham. Alors attention au couplet de balle de Gareth Bale. Et 3 minutes de temps additionnel pour Tottenham. Et ceci devra jouer à 10. Attention au contrôle de Gareth Bale. Attention. On a 17 mètres. Attention au contrôle de Gareth Bale. Gareth Bale. Et c'est le bon. Et c'est le bon. Le couplet de Gareth Bale. Le couplet de Gareth Bale. En plein de l'Ukraine. Go ahead.
l'erreur de Raël Charlie, c'est en trois et ça va venir vers le Golovin. Dele Alli, tête de Tarantino, Rubén Dias, avec les Real Marais, Rubén Dias, Kyle Walker, Marais, Kevin De Bruyne, Gabriel Jesus, l'accélérateur de Gabriel Jesus, regardez ce qu'on peut faire avec les soldats, les mecs qui se sont effondrés, le Tecto, Dele Alli, Sanchez, avec Holberg, Rodwillon, Pedro Rubén Dias, va tout ça avec Dele Alli, avec Son, il n'y a pas d'ordre avec Harry Kane, le procès d'Harry Kane, allez, Holberg, et la frappe de Braille Kane, recroisé, il a rejoint Rubén Dias dans la grand coup, et il est gravement blessé, Rubén Dias, c'est bien fort pour lui, qui devra sortir. Il y a un coup vraiment pressé vers Rubén Dias. Bon, alors c'est un coup dur puisque Rubén Dias s'est fait mal lorsqu'il était en contact avec Harry Kane. Ah, malheureusement, Rubén Dias, le meilleur défenseur de l'arbre de la Ligue, malheureusement devra quitter ses partenaires. Et ça sera John Stones qui va le remplacer. C'est un coup dur pour l'équipe de Manchester City. Parce qu'à la fin, il perd de la porte sur Expluto et là, il perd de Rubén Dias sur une blessure. C'est vraiment un coup dur. Gabriel Jesus, Kevin De Bruyne, Riyad Mahrez, De Bruyne, Gabriel Jesus, les passes de Gabriel Jesus, et c'est arrêté par une colonie, c'est un frappe corner, ça sera un corner pour l'équipe de Manchester City dans cette occasion de Gabriel Jesus. Corner qui sera tiré par Kevin De Bruyne. 67ème minute, Tottenham mène 2-1. Et sans point pour Tottenham, Lucas Moura va rentrer à la place de Gareth Bale, le temps d'un doublé. Il a été vraiment très apprécié Gareth Bale lors de sa sortie. C'est bien normal. Foden. Le procès de Sterling, les passeurs avec Sterling, l'égalisation superbe de Raheem Sterling qui a réussi à éliminer deux défenseurs et sortir deux partout entre Tottenham et Manchester City pour soutenir Raheem Sterling. Oh que c'était bien joué, alors ça avait été détourné en plus par Sanchez. Mais je crois que ce but on va l'accorder à Raheem Sterling, même si ça a été détourné du genou par Sanchez. Mais on va vérifier quand même. Alors, but accordé à Sterling, vous choisissez contre son camp. Non, ça sera pour Sterling. But inscrit par Sterling qui a inscrit son troisième but de cette compétition. Et Raheem Sterling qui permet aux Citizens de revenir à deux partout. 64e minute. Dele Alli, Lo Celso, Tartorier, Lo Celso, Dele Alli, décalage pour Son, Foden, avec Gabriel Jesus, qui se rend à Gabriel Jesus qui va calmer son jeu, Foden, Kevin De Bruyne. De Bruyne, De Bruyne, il s'est repoussé par le Golovi. Et Guillaume, face à Gabriel Jesus, mais qui va caler son jeu avec le Golovi. Ça fait une touche. Tranquillement, Marais va faire sa touche. Gabriel Jesus. On se gagne ça, et la demi-balle de but, on s'est vu, c'est le seul coup de parole de Gabriel Jesus, c'est le seul maître ordinaire de Gabriel Jesus, il a réussi à éliminer ce défenseur, avant de finaliser une superbe demi-volée, qui va toucher le poteau avant d'entrer,
C'est une chose somptueuse de la part de Cabrel Rezout. Superbe demi-volée de Cabrel Rezout. C'est une. Et Cabrel Rezout qui permet à Manchester City de mener 3-2. Troisième but pour Cabrel Rezout dans cette compétition. Il reste 20 minutes et Cabrel Rezout qui marque un but somptueux. Ça fait 3-2 pour Manchester City. Albert, seul, pour le Celso, Harry Kane, avec Cancelo, Kai Walker, Gamarez, pour Gabriel Jesus, Kai Walker, qui se fait contrer par un Rui Guillaume, seul, pour Dele Alli, Albert, le Celso. On rentre bientôt dans le dernier quart d'heure de cette quart de finale. Et Manchester City qui mène le point en 3-2 ici à Tottenham. Pour le drapeau d'Adèle. Adèle, il est passé. Adèle, et superbe tacle de Saul. Foden. Gabriel Jesus. Adèle, décalé à l'intérieur, mais malheureusement, il n'était pas monté. Dele Alli. De Bruyne à l'interception. Riyad Mahrez. Il évite le tacle. Riyad Mahrez. Il va se mettre sur ses bosses pour le temps. Ah, il y a des personnes de rebond, si ce n'est que Serge Aurier. 10 minutes encore. Lucas. Contre concret. Touche pour l'équipe de Tottenham. Et changement pour un autre parti. Bernard de Silva et Zinchenko vont rentrer à la place de Foden et de Joe Cancelo pour les 10 dernières minutes de cette rencontre. Ah, ils ont donné tout le temps à Manchester City. Restez pour Tottenham. Karim. Gabriel Jesus. Ouh. On vous comprend pour l'équipe de Manchester City pour cette faute de Giovanni Lo Celso sur Gabriel Jesus. Et il va pas le jeu. Carton jaune pour... Giovanni Lo Celso est encore un coup franc bien placé pour l'équipe de Tottenham. Alors à priori ça serait Kevin De Bruyne qui va s'emporter du coup franc. Et le rythme qui place bien son mur. De Bruyne pour le coup franc, c'est bien tiré. Et c'était bien roulé ce coup franc de Kevin De Bruyne, c'est bien arrêté par Hugo Lloris. Derrière de Silva, Tavares pour Lucas avec Lo Celso, Albert, Harry Kane, Albert. Bien intercepté par Fernandinho. Gabriel Jesus qui attend du soutien. Il est obligé de calmer le jeu avec Kevin De Bruyne. Mahrez, bien pour jeu. Décalage pour Kyle Walker. Lucas. Dele Alli. Pour Lucas. L'accélération de Lucas. Bon ballon pour Lucas. Et il a la vitesse de Lucas Moura. L'accélération de Lucas. Ça vous sent que c'est bien intercepté. De Bruyne qui lance Riyad Mahrez et il récupère Nord. Ça prend une touche pour Tottenham. Et changement pour Tottenham. Cinquième nouvelle va rentrer à la place de Dele Alli pour les dernières minutes. Alors on va voir combien de temps l'arbitre va donner pour l'arrêt de jeu. Albert. Seul. Albert. Et ça fera 7 minutes. 5 minutes de traditionnel. De Bruyne. Gabriel Jesus. Au tableau de Carazo pour Bernard de Silva. Il va se déjouer. Bernard de Silva. Le but de Bernard de Silva. Bernard de Silva. Il veut la qualification pour Manchester City. Les citizens
pour demi-finale, l'équipe de Rocket City pour demi-finale de la Dakar avec son secrétaire de plus inscrit par Bernard de Pizan. C'est l'équipe de Rocket City qui va s'imposer et qui va se qualifier pour les demi-finales de cette Coupe de l'Angleterre. Bernard de Pizan, dans le plan additionnel, qui a inscrit son deuxième but de cette compétition et qui l'a donné la qualification pour les équipes pour les demi-finales. 4 à 2 pour Manchester City. Let's 93 minutes, Harry Kane, le testo. Holberg pour un centurier. Les portes de centurier, ça vaut fort, c'est bien la société Franck-Armantino, De Bruyne. Allez, peut-être la dernière ratio pour l'équipe de Tottenham, il y a Ndombele. Ndombele, la frappe de Sofiane Ndombele qui passe à côté. Elle aurait pu sauver l'honneur. Mais malheureusement, c'est passé à côté. Ça fera un dernier dégagement pour Ederson avant le coup de sifflet final de l'arbitre. Et la fin pour ce long dégagement. C'est de Walker. Devra aller plus vite. Qualification de Manchester City. Qui va pas compter 4 buts à 2. Ici à Tottenham. C'est notre Manchester City qui va jouer le spectacle de coup. Les demi-finales de cette Coupe d'Angleterre. Manchester City est en demi-finale. Victoire 4 buts à 2 de l'équipe de Manchester City à Tottenham. Et donc l'équipe de Manchester City qui jouera les demi-finales de cette compétition. Et donc juste avant qu'on s'équipe, on va voir les derniers résultats des autres rencontres. Et donc je pense pour le moment on connaît deux équipes qualifiées pour les demi-finales de la phase. Il s'agit que de Manchester City et de Manchester United. Manchester United s'est imposé 2-0 face à Everton. Les deux autres rencontres, Leicester, Queen Park Rangers et Celtic City, je donnerai les deux résultats lors du 7e tour. On va se retrouver pour le 7e tour pour les demi-finales de cette FA Cup. Alors aussi on va retrouver Manchester City et Manchester United. Alors entre Leicester, Queen Park Rangers, Celtic et Swansea, deux d'entre eux joueront les demi-finales. Alors on va se retrouver donc pour le 7e tour de la FA Cup. Bonne fin de journée à tous et bonne fin d'après-midi. A bientôt, au revoir.